Salut, c'est Kaliana et pour une nouvelle vidéo sur des ouvertures de booster. Donc cette fois-ci, ça sera... Je sais plus le nom. Ah oui, c'est... Légende du ciel, voilà, en japonais. Donc... Soleil et lune, pardon. Voilà. Donc, je vais éviter d'ouvrir ça dans le micro comme la précédente vidéo. Ça va à la poubelle. On va essayer de pas tout déchirer. Voilà. On va mettre ça bien. Voilà. Comme des professionnels. Voilà. Et oh, on a la liste de cartes. En japonais, bien sûr. Bon, je lis pas le japonais, mais c'est pas grave. Donc, c'est des boosters de 5 cartes. Et bien faire le focus avec Elector, Articudin et Sulfura. Je vous donnerai les codes, ne vous inquiétez pas. Donc je n'ai aucune utilité de ces codes. Moi je préfère le physique. Si ça voulait bien. Je vais essayer comme ça. On va voir si ça. La vache. Voilà, bon, ouverture à l'arrache, voilà. Alors, Norfang, un petit peu de travers. Comme ça. Abo, avec le Articodin juste derrière. Croquine. Ouh, Victini, en brillant. Et coup de langue. Voilà, je cherchais le nom. Le Victini en brillant. Et bien sûr, on fait ça comme des professionnels. Et si la caméra voulait bien faire une petite mise au point de professionnel aussi. Voilà. Très joli le petit Victini. Out avec Elector juste derrière. Lui je retiens jamais son nom. Bon, Pokémon Glace, voilà. Le Smogo qui a l'air très content. Alors lui, je sais plus son nom aussi. Les chimères. Un petit cristal. Et c'est tout. Pas de brillante dans ce pack-là.
Bah, faut que je révise les noms des Pokémon. Bon, vous le savez. Avec le flambu... le Sulfura. Avec ses langues. Ouh! C'est... Ah, il faut que je... Franchement, faut que je révise. Ah, faut que je révise le nom des Pokémon. Hein. Et le Arbok avec Jessie. Ah, désolé, mais il y a des noms de Pokémon, des fois... Autant les Pokémon que j'adore, je retiens leur nom sans problème. Mais alors les Pokémon que je vois pas souvent ou que j'aime pas trop, j'ai du mal. Et pourtant, ça fait 20 ans que je joue à Pokémon. Magnéty. Alors lui, je connais son évolution. Mais alors, le Stalgamin. L'entraîneur avec sa combinaison de Ramolos. Et... Ah bah tiens. Camiruit. Voilà. Donc l'évolution de... Ça, là, je vais la mettre de côté. Voilà. J'ai vu une brillante. J'ai vu une brillante. Alors, type 0. Dracamin. L'évolution croquine. Wouh! James et Jessie. En brillant. Et, c'est quoi ça? Une planche de surf? Bon, je suis pas professionnelle, hein. Je fais ça pour m'amuser. Mais s'il te plaît, donne-moi Elector, s'il te plaît. Alors, Magneton. Petit passe rouge. Ah. Alors, celui-là, c'est... Créfolène, non? Il me semble. La mère de Lily, je me souviens plus son nom, et Smogogo. Pourtant j'ai fait Soleil et Lune, mais l'histoire, je suis un petit peu passée. Qui est triste en plus, la mère de Lily. Je pense que ça doit être son mari, celui qui parle. Voilà. Ensuite. Ah bah voilà. Mimantis. Busy. Le Habbo qu'on a déjà eu. Non mais oui. Et ça, c'est la pierre. Oh, c'est une des pierres là pour faire les attaques Z. C'est un système de combat que j'ai pas trop aimé dans Soleil et Lune. J'aime pas trop le Gigamax non plus, je préfère les méga évolutions. Ah bah tiens. Remimantis. Le petit oiseau.
Donc celui-là, je crois que c'est Vemini. Elle est en quoi, ça? C'est une race, ça? Non, c'est une commune. Ah, type 0 en brillant. Non, c'est pas type 0, c'est son évolution. Oh là là, les noms des Pokémon, oh là là. Et une pierre. C'est Sylvallier, voilà. Focus, merci. Voilà. On continue. Je crois que je me suis trompée tout à l'heure, c'est Sucroquin celle-là, je crois. Oh, c'est pas un Pokémon que j'apprécie. Wout wout. Beau Smogogo, non mais oui, et c'est fini, pas de brillante dans celle-là. Oui, j'ai vu du brillant, j'ai vu du brillant. Chamallow, voilà. Smogo. Ah, Magnézone en brillant. Et le surf. Alors, je ne sais pas si c'est du brillant, du holo. Vous me le direz dans les commentaires. Se prendre la tête là-dessus. Voilà. Alors, Pokémon Gaz, donc j'ai oublié le nom. Magneton. Je crée. Je sais pas lequel. Bizarrois. Le traîneur. Et c'est tout. Ah, j'ai vu quelque chose. J'ai vu quelque chose briller. Excellent. Un carmin. Ouh. Ouh, je sais plus le nom de ça. Putain. Moi, je vous dis Soleil et Lune, à part 4 ou 5 Pokémon dont j'ai réussi à me rappeler le nom, parce que je les avais dans mon équipe. Ah, les autres, c'est compliqué. Hein. Allez, il nous reste 3 boosters pour finir le côté gauche. Ils veulent leur truc. Hein. Le petit Magnéti. Type 0. Stalgamin. Oh, flanc bizarre. Pokémon que j'aime beaucoup. Et une pierre. Elle est quoi, flanc bizarre? Ça a l'air d'être une rare. Alors, trio, ça doit être créé ou un truc dans le genre là. J'ai du mal à les retenir ces noms-là. Le Mimantis. Le petit passe rouge. Ah!
crois que c'est Crefadet celui-là. Crefadet en brillant et celui-là. Elle est très jolie là. J'aime beaucoup la couleur de la carte en violet. Voilà, dernier booster côté gauche. Ah, Floramantis. Ah, j'adore ce Pokémon. C'est une commune, mais j'adore. Lizzie. Ah, un Toco. Alors celui-là, c'est Toco Pisco, je crois. Et qui est Toco Toco. Ouais, je les connais pas là, franchement. Et une ville enneigée. Donc on commence le côté droit. Il y en a combien? 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc il y en a 28 en tout. Bien si ça faisait le point. Voilà. Norfang. La... C'est la filet ball, je crois, celle-là. Et coup de langue. Quand ça faudra bien faire la mise au point. Voilà. Bon, on les a déjà vus, hein, je les passe. Puis l'arbre de Jessie. Mise au point. C'est pas sur l'arrière qu'il faut faire. Voilà. Un doublon et le Flambusard. Rien d'intéressant. Côté gauche a donné beaucoup de belles cartes. Côté droit. Le côté droit. Du mal à faire la mise au point. Petite mise au point, voilà. Plus bas. Ah oui, je dis oui, elle est belle celle-là. Ah, c'est celle que je voulais, voilà.
Attention, on fait comme les professionnels. Et voilà. Ah, elle est magnifique. Allez, on continue. Franchement, le noir fin, je sais pas, il est shooté. Il est vraiment pas beau. Ah, celle-là, on l'a déjà eu. Je suis en train de tout mélanger là. Désolée, je suis obligée, mais il veut pas faire la mise au point. Fais la mise au point sur la carte. Voilà. Ça, on a déjà vu. On a déjà vu. Oh! Et un smogogo. Montmartre-Cambrien. Non, si, je veux juste que tu fasses la mise au point sur le même article, pas sur la console. Fais la mise au point. La mise au point, s'il te plaît. Ah, voilà. Allez, il nous reste 3, 6 et 8. Non, fais la mise au point sur la carte, pas sur mes doigts. Quand ça veut pas, ça veut pas. Bon, après, c'est des cartes que vous avez déjà vues, donc c'est pas gênant. Rien du tout. Il y a du brillant là. Fabrice Labrie. Non, elle veut pas faire la mise au point. Allez, fais juste une mise au point. Voilà. Ah, bikini. C'est dommage, c'est pas grave. Là là, elle est magnifique en rainbow. Qu'est-ce qu'il y a après? Le Harbok. Alors celle-là, je l'ai déjà, mais en normal. Je vais vous la montrer. Tout ce bordel. Hein. Où est-ce qu'elle est? Que j'ai mise. Voilà.
Faut que vous voyez la différence, si je la retrouve. Je l'avais pourtant. Où est-ce qu'elle est passée? Ah là, voilà. Hop. Voilà. Bah, elle n'est pas tout à fait pareille. Hein, mais... Voilà. Elle est magnifique. Moi, je suis contente. Voilà. Ah, si celle-là, je pouvais l'avoir en brillante, ça serait super. C'est tellement le bordel. Allez, il reste 3 boosters. Ben non. Ah, j'ai vu du brillant. J'ai vu du brillant. Alors celle-là, c'est... Je ne sais plus le nom. C'est pas sucré, un truc dans le genre là. C'est pas un Pokémon qui m'a grandement marqué. Même si je dois avouer qu'en shiny, elle est très très belle. Voilà. Le dernier. Voilà. Bon. On aura eu de très très belles cartes. Celle-ci. Ah voilà, c'est Keldeo celui-là. Voilà. La mémoire. Jesse et James. Je t'ai rien demandé à toi. Et ces deux-là. Si ça pouvait faire la mise au point, s'il te plaît. Bon. Voilà. Et celle-ci. Bon. Bon, dans la prochaine vidéo, un petit peu de spoil. Donc, un P.K. Boost de chez Parkage. Je ne vous montrerai pas la première carte. Deux boosters, Soleil et Lune, Ombre Ardente. Deux, trois, quatre, cinq. Et cinq de Ténèbres Enflammées. Voilà, vous avez été spoilé. À plus !